Nous voici de retour à cette deuxième partie de cette course avec notre faible pluie. Donc en Chine, donc une faible pluie. Donc on est au 28e tour sur un total de 56. S'il y a quelque chose, on va sûrement faire une troisième partie. Tu te débrouilles bien, continue comme ça. On a droit à encore une dizaine de minutes de pluie. 10 minutes. Beaucoup plus court. Il vaudrait moins de temps à télécharger. Tu voulais voir juste la première, le départ et la fin. C'est correct aussi. Moi, je respecte vos choix. Tu voulais voir toute la course, il n'y a pas de problème aussi. C'est assez délicat côté pneumatique actuellement. Je pense que les slicks sont encore les plus rapides, mais c'est très serré et tu vas avoir du mal à les garder à température requise. Les pneus intermédiaires sont prêts, c'est quand tu veux. Oh attention, il y a un contact. J'ai pas beaucoup de grip. Voiture de sécurité virtuelle, réduis ta vitesse immédiatement et maintiens ton indicateur delta positif. Voilà, c'est fait, la pluie. On a encore 10 minutes de pluie, la situation devrait s'améliorer ensuite. 10 minutes, on a tout intérêt à chausser des slicks. Voiture de sécurité en avant, contact avec Hülkenberg donc. Fin de la voiture de sécurité virtuelle, garde ton delta positif jusqu'au drapeau vert. Je pensais qu'il y en mettait DRS activé dans le coup. On a un rythme de course. Ça va pas rester très longtemps, là c'est pas la même. La tour de sécurité virtuelle pour vous laisser bien le temps de t'écarter un peu. On va juste se replacer pour qu'il y ait des contacts comme ça. À la pluie. D'après les prévisions, le ciel devrait se dégager dans environ 10 minutes. Ne relâche pas ta vigilance. Pour l'instant, les slicks semblent être les plus rapides. La difficulté pas mal. Réfléchis à une stratégie viable que nous aimerions utiliser. Tu souhaites continuer sur ta lancée ou on change? Compris. Maman, je vais vérifier. D'après le radar, on va bientôt avoir de meilleures conditions. Il faut encore compter environ 10 minutes de pluie. On ne sait pas quel type de gomme privilégier. Tu peux chausser des slicks ou des intermédiaires. Si c'est juste vraiment 10 minutes. Regardez notre train de média. Continue comme ça. On a droit à encore une dizaine de minutes de pluie. 10 minutes. Je sais pas s'il vaut mieux chausser des slicks ou des intermédiaires. On est entre deux. Oh, et un contact assez fort avec Hülkenberg. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Pas le drapeau bleu, je suis dans ma ligne de course. Regardez. Je suis dans ma ligne de course. Retourne devant la voie à gauche. Il y avait vraiment plus de tension malgré qu'on est sur une forte pluie. Il y a une faible pluie puis je prends le maximum. Là, il y a le temps. On va tirer parti de l'énergie générée. Augmente l'utilisation de l'ERS. Il y a ma manette à bol puis j'ai le stick qui était au maximum puis je me suis en premier goal. Tu vois, Hülkenberg au pire, Ricardo qui reste à la pièce. Un screenshot, je manque pas. J'ai juste appuyé sur le putain. Oh, je manque pas par rapport au screenshot que j'ai pris. Pas par rapport au suite. Je suis encore bon moment d'appel 200. 220 gigas encore disponible. Certaines équipes chaussent des pneus intermédiaires.
intermédiaires. Tu pourrais également penser à changer les tiens. Je me plaignais en début de course, je viens de me rappeler. D'après les prévisions actuelles, on en a encore pour 5 à 10 minutes de pluie. On ne sait pas quel type de gomme privilégier. Tu peux chausser des slicks ou des intermédiaires. Voilà, on va encore passer un tour d'évaluation. Un autre tour complet. On va vérifier après. On en a encore pour 5-10 minutes de pluie. Je sais pas s'il vaut mieux chausser des slicks ou des intermédiaires. On est entre deux. On a fait le taxe à ça, ça prend juste un petit peu de temps. Tu es en première position, tu mènes la course. C'est Lewis qui est derrière. Notre avance sur la voiture de derrière est de 52,9 secondes. Ils ont de nouvelles gommes tendres. Ta fenêtre d'arrêt au stand ne s'ouvre pas avant plus de 20 tours. 27 tours restants. 27 tours. On te repose un peu. Voilà, coupé. On te récupère avec une masse. La gomme intermédiaire de votre vie. Vas-y, mets les gaz. C'est non. Ok, tout le monde met des pneus intermédiaires. Est-ce qu'il y a un fin de notre stratégie pour l'instant, tâche de conserver ses gommes jusqu'au bout. Le premier maintenant, ça va être pour ce pneu. Et Hamilton va aller au plus, je regarde en bas de la map. Non, Hamilton continue avec sa gomme tendre. La météo devrait s'améliorer dans environ 5 minutes. On ne sait pas quel type de gomme privilégier. Tu peux chausser des slicks ou des intermédiaires. Non, le machin. Oh, merde. On va attendre un peu. On va s'en parler au 32e tour, de la performance des pneus, ça va bien et tout. Mais il semble que oui, pour l'instant, ça donne. Il y a beaucoup plus de contrôle de Giovinazzi, regarde. En même temps. Oh, on a le DRS, c'est toujours activé. La pluie devrait s'arrêter dans environ 5 minutes. Je sais pas s'il vaut mieux chausser des slicks ou des intermédiaires. On est entre deux. C'est ici, non, il y a de l'eau. C'est vraiment le premier truc que j'ai oublié. En deuxième tour, réellement, oui, les pneus intermédiaires vont beaucoup mieux que les pneus pluie. S'il voit que mes temps restent constants, plutôt on va peut-être rentrer le. Ok. Ça va nous dépasser. Voici l'écart avec notre coéquipier, 28,8 secondes.
La pluie va s'arrêter. La météo s'améliore dans quelques minutes. Merci. Le ciel va se dégager sous peu. Surveille tes temps. Il va peut-être falloir que tu passes au stand pour chausser des slicks. On ne sait pas quel type de gomme privilégier. Tu peux chausser des slicks ou des intermédiaires. C'est qu'en quoi Snipe est dans le temps de finir. C'est que... L'intervention. Mais oui. J'ai pas compris. Quoi qu'on faisait ça. J'avais plus d'alarme. Pour la place. Non. Tu viens en tête, premier. Et oui, c'est derrière toi. L'écart avec la voiture derrière nous est de 31,0 secondes. Il chausse des pneus tendres usés. Essaie de ménager tes pneus, l'objectif est de finir la course avec ses gommes. 24 tours restants. 24 tours en 45 minutes. Oh, ça là. Putain, que ça. En troisième tour, on peut pas laisser un 10. Qu'est-ce que ça va donner à un peu certainement. Yes, rentre au stand. Je vais m'arrêter au 47ème tour par après. Pour un mega même pas. Plus box 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 box. Bon, on a fait pas tout. Minutes. C'est limite, mais à ta place, je viendrai changer les pneus maintenant. Je ne pense pas que les pneus actuels soient encore adaptés. Mais voilà. Au pire. Ou puis est-ce que Lewis Hamilton va prendre la tête de la course? On va voir ça dans quelques instants. 222. Hamilton, nous on ressort des puits et lui au virage. Ça va être serré, ça va être très très serré parce que à partir d'ici, en cause de qu'un seul arrêt, plus qu'un arrêt selon notre stratégie. Et ici c'est très dangereux comme sortie des puits. On reste dans la Lewis. On est 44 plus 50, donc ça se fait. C'est tout. On vient. C'est Lewis qui est derrière. Notre avance sur la voiture de derrière est de 18,7 secondes. Il chausse des pneus tendres usés. Il chausse des gommes usées depuis 11 tours. Je crois qu'il leur reste encore un arrêt. Dernier tour à donner. 1 minute 54,0. Ok, est-ce qu'on va changer le pneu? Attention, on est là. On est très large, je vois qui va s'emparer la tête. Et ça va au puits, Lewis.
Lewis rentre au stand. Lewis s'arrête au stand. Pour la musique tard. Qu'est-ce que ça va donner que la puissance au maximum du moteur? Pourquoi ça tourne à moitié quand même? La batterie est faible. On ferait mieux de désactiver l'ERS pour récolter de l'énergie. Bon, je peux tirer un seul, on va voir que ça va bien.
ici de... Oh non. Trop large, trop large. Perdu trop de temps et non, je vais vraiment tourner parce que j'ai un bug dans ma manière. Voilà, c'est 38ème tour maintenant sur un top bug. Rien à ça. Une seconde de mieux. Plus en vert, auto 1.42.205. Tu viens de signer le meilleur temps. Bon, 44 tours, il faut que je m'arrête au plus pour remettre de la gomme. Bam! Non, le stop. Tu mènes la course. Lewis est derrière toi. L'écart avec la voiture de derrière est de 35,8 secondes. Ils ont de nouvelles comme médium. La fenêtre de ravitaillement s'ouvre dans 5 tours. 18 tours restants. On réfléchit à une stratégie. Tu veux changer ou continuer à suivre le plan initial? C'est quoi? T'as été un tour de temps. C'est juste un tour de temps, pareil. Ils sont très bien mieux. Let's go. Premier, c'est Lewis qui est derrière. Notre avance sur la voiture de derrière est de 37,3 secondes. Ils ont de nouvelles comme médium. La fenêtre de ravitaillement s'ouvre dans 5 tours. 17 tours restants. 7 tours à faire. Voilà.
Oh, oh. Et bon, pour ce qu'on va faire. On reste... Augmente l'utilisation de l'ERS, c'est le moment d'utiliser ce surplus. Pour ma manette parce qu'elle attend pas. Je vais regarder quelqu'un qui s'attend pas. Je veux sa manette nouvelle. Continue à couper les virages, les commissaires vont t'infliger une pénalité. Aucun risque de pluie à signaler pour le moment. On a tout intérêt à chausser des slicks. Tu es en première position, tu mènes la course. Et oui, c'est derrière toi. L'écart avec la voiture derrière nous est de 37,1 secondes. Ils ont de nouvelles comme médium. La fenêtre de ravitaillement s'ouvre dans 3 tours. La fenêtre ouvre dans 3 tours. Il reste encore 15 tours. 15 tours. Nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand. Tu chausseras des tendres. Non, même si c'est le stand, on va arrêter au 15e tour dans 3 tours. Pourquoi? Pour avoir, un téléchargement plus court, en tout cas la deuxième partie sortira la troisième. Et puis il faut que j'aille manger. Non, il n'y a pas trop longtemps. Tu es en tête, premier. C'est Lewis qui est derrière. Notre avance sur la voiture de derrière est de 38,8 secondes. Ils ont de nouvelles comme médium. La fenêtre de ravitaillement s'ouvre dans 2 tours. 14 tours restants. Activer l'ERS et consommer une partie de l'énergie récupérée.
Voilà, 41 secondes d'avance sur Lewis. Quand même. Et voilà, dans 48 secondes 4 quoi. Ça c'est bon pour faire le contrôle de la voiture. Plus qu'un seul arrêt, plus qu'un arrêt selon notre stratégie. La fenêtre d'arrêt au stand s'ouvre dans le prochain tour. Tu es en première position, tu mènes la course. Et oui, c'est derrière toi. L'écart avec la voiture de derrière est de 41,4 secondes. Ils ont de nouvelles comme médium. Ta fenêtre d'arrêt au stand s'ouvre dans le prochain tour. 13 tours restants. 13 tours à faire. Bon. On va voir. C'est quoi ça? Là j'ai pas vu que ça, c'est pour ça que je suis allé très très large. Puis il y a de l'autre dans le tour, regarde. Il y a un tas dans le bain, c'est n'importe quoi. C'est un fait que je le dépose comme ça. Fenêtre d'arrêt au stand ouverte. Fenêtre d'arrêt au stand ouverte. Qui est plus le soleil qui brille en plus. Attention. Quel cinquième tour sur 46. Recevoir, arrête-toi ce tour-ci. Box, 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 box. Et voilà, on l'attend plus vite, c'est tout. Bon, un petit peu là, on va encore. Oh, si, on va bien. Mesdames et messieurs, voilà, c'est fait. 42,81 en fait, sans la raison comme vous voulez. Ça c'est bien d'avoir un père en tête. Comment ça? Ouais, en tête. Thank you.
que c'est la dernière langue droite. À la fin de la partie 2 de la course. Pourquoi faut tout le temps j'ai dans le gravier, puis là je commence à cliquer pour le manuel. On va s'arrêter là, partie 2 terminée, tchao tchao.